Miyazaki Konnichiwa, petit point culture. Vous savez que dans le monde, il y a 5 continents. Les plus têtus diront qu'il y en a 6. Voici les continents que je connais. Il y a les Amériques, il y a aussi l'Afrique, l'Europe où nous on habite, et l'Asie et l'Océanie. Et pour les plus têtus, il y a aussi l'Antarctique. Il fait très froid là-bas. Est-ce que ça vous dirait de construire un continent ensemble? Lançons-nous dans le jeu et construisons un continent. Faut savoir qu'un continent est composé de plusieurs pays. Et l'Europe, notre continent, est composé de 28 pays. C'est beaucoup quand même. Il y a la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et plein d'autres pays. Allons construire l'Europe. Donc là, nous avons la France. Vous avez vu la tour Eiffel de Paris? C'est là où nous, on habite. Donc je vais la placer. Est-ce qu'il y a cela, la France? Il y a la Finlande, la Suède, la Danemark. Elle est là, la Danemark. Il y a sur le gros continent. Voilà, à ce place-là, la Finlande et tout. Vous avez vu? Il y a aussi un Père Noël. Regardez. Le Père Noël, il doit être en Finlande, hein. Le Groenland, lui aussi, il est en Europe. Vous savez pourquoi? Il fait partie de la Danemark. Lui, il se place là. Il doit faire froid là-bas. Passons-nous à l'Islande. C'est l'Islande. Elle n'est pas accrochée comme les autres. Comme les autres petits pays. Elle est un peu plus éloignée. Comme le Groenland. Le Royaume-Uni. Il y a aussi un peu de l'Islande là-bas. Vous avez vu? C'est le Royaume-Uni. Vous avez vu la grande... Vous avez vu le camion? Et... C'est comme une tour Eiffel, mais c'est pas une tour Eiffel. Il y a une horloge dessus, là. C'est un grand bâtiment. Ça se trouve... Ah là. Oh, c'est beau, ça. Ça, c'est la Russie. C'est magnifique. Vous avez vu le beau château? Il est beau. La Russie, on la met là. On a l'Espagne. Vous avez vu? C'est une dame qui danse. C'est le Portugal un peu. Elle danse le Madrid. Il y a un peu de Portugal là-bas. Lui, il est à côté de la France, pas très loin de la France. On a l'Allemagne. Vous avez vu, il est beau le château. Hein. Et là, la petite maison rouge avec une belle marguerite. C'est beau, hein. La Belgique. Et l'Autriche. Est-ce mais là, aussi à côté de la France, pas très loin. Biélorussie. Vous avez vu? Il y a un gros bouc et une dame qui danse. Vous avez vu? Avec le gros bouc avec ses cornes. Ah voilà, ici, juste à côté de la Russie. Maintenant, on a l'Italie. Regardez l'Italie, c'est beau, hein. Vous avez vu? C'est l'Italie. Ah, ici. À côté de la France aussi, pas très loin. La Pologne. Hongrie. Regardez. À Hongrie, il y a un petit château. Vous avez vu? Ici. Pas très loin de l'Allemagne et de les États baltes. Oh. Lurken. Vous avez vu Lurken? Il y a un gros tracteur à Lurken. La Moldavie et l'Urken. Vous avez vu? Maintenant, voici le dernier. C'est la Grèce. La Roumanie, la Bulgarie. Je vous présente la Grèce. Vous avez vu? C'est comme un petit château, mais c'est pas un château. Ça faisait partie de l'histoire. Avant, avec les Gaulois et tout. Voilà. Voilà. Maintenant, on la met là, la Grèce. C'est fini.
Vous avez vu ce gros continent où représente l'Europe, tout ça. La Russie, la Finlande, Pologne, Allemagne, France, Espagne. Tout ça, ça représente l'Europe. Sayonara, les amis. Abonnez-vous et aussi mettez des pouces bleus. À très bientôt pour un autre point culture. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux.